Centre international d'évangélisation mission intérieure africaine CIMIA du Dr Mamadou Philippe Karambiri organise la grande campagne de prière Tu réussiras, édition 2023. Vous êtes élève, étudiant ayant des examens ou concours à préparer. Vous êtes jeune professionnel, commerçant, artisan ou une personne travaillant dans n'importe quel secteur d'activité. Vous désirez la touche divine dans ce que vous entreprenez pour un plus grand succès. Ce qu'il vous faut, c'est la grande campagne de prière « Tu réussiras » organisée sous la bénédiction des hôtes de la dite campagne, le couple Hortense et Mamadou Karambiri. Thème, je suis né pour réussir. Orateur, le couple missionnaire Shekina et Étienne Yerbanga. Venez recevoir la touche divine pour une réussite phénoménale. Jésus dit non, même s'il sentait depuis 4 jours,
lui peut donner la vie. Amen. Lui peut ressusciter. Amen. Lui peut enlever du trou. Amen. Lui peut enlever des sépulcres. Amen. Lui peut enlever maintenant. Oh, de la boue. Alléluia. Amen. Et c'est ce Jésus qui a fait hier que je te parle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et ce Jésus a dit, enlevez la grotte. Parce qu'on avait mis une pierre sur son tombeau. Quelle est la pierre sur toi qui te fatigue tous les jours? Quelle est la pierre sur toi qui t'empêche de lire les leçons? Quelle est la pierre sur toi qui fait que tu ne peux pas réviser? Que cette pierre soit ôtée au nom de Jésus. Amen. Que cette pierre soit ôtée au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, ôtez la pierre. On a ôté la pierre. Quand on a ôté la pierre, Jésus a dit, Lazare, sort. Qui est dans un trou ici parmi vous? Qui est dans la boue? Que la personne sort de cette boue. Amen. Dans la sépulcre, sort de cette vie. Dans le nom de Jésus. Amen. N'importe quelle vie qu'on a enterrée ou qu'on a mis dans la sépulcre, je déclare qu'il sort au nom de Jésus. Amen. Jésus veut que tu apparaisses pour te voir dans le succès. Jésus veut que tu apparaisses pour te voir dans la réussite. Amen. Et c'est le moment pour toi aujourd'hui de recevoir et de croire. Alléluia. Amen. Quand Jésus a dit ça, Lazare est sorti. Malgré qu'il sentait 4 jours, Lazare est sorti. Jésus a le pouvoir sur tout. Alléluia. Et c'est ce Jésus qui est venu vers toi. Amen. N'as-tu pas reçu? Tu ne vas pas recevoir cette puissance? Oui. Tu veux recevoir cette puissance? Oui. Tu veux recevoir cette grâce? Oui. Tu veux recevoir ton succès? Oui. Tu veux recevoir maintenant ta réussite? Oui. Alléluia. Amen. Et quand Lazare est sorti, effectivement, il y a quelque chose. Lazare était, les bandes l'avaient bandé les yeux. Sa main était bandée. Ses pieds étaient bandés. Est-ce que quelqu'un qui est comme ça peut faire quelque chose? Non. Quelqu'un qui est bandé, ses mains sont bandées. Les pieds aussi, est-ce qu'il peut travailler? Non. Est-ce qu'il peut vite marcher même pour aller là où il doit aller? Non. Ça veut dire qu'il est dans les liens. Et ce midi, Dieu veut que toutes les bandes sur vos visages soient maintenant enlevées au nom de Jésus. Amen. Il veut que tout ce qui a lié vos mains, que vos mains n'arrivent pas à écrire correctement, soit délié au nom de Jésus. Amen. Jésus. Amen. Il dit que les pieds qui sont maintenant, les pieds qui sont bandés, que ces pieds soient enlevés maintenant. Amen. Que tous ces bandes soient enlevés sur vos pieds. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Jésus a dit ça, tout est enlevé. Et Lazare est revenu à la vie. Lazare est revenu à la vie. Ainsi que vos succès sont revenus. Dans le nom de Jésus. Amen. Tout réussite enterré. Oh, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que c'est si c'est. Et que c'est maintenant. C'est tout ce qui est enterré est revenu à la vie au nom de Jésus. Amen. Recevez la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Recevez cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Parce que c'est comme ça que Jésus opère des délivrances. Jésus opère la délivrance. C'est pour cela, en ce moment, nous déclarons que qui est ici parmi vous, qui veut recevoir son succès ou sa réussite, que la personne lève la main. Que la personne lève la main. Que la personne lève la main. Recevez votre succès au nom de Jésus. La réussite est rentrée dans vos cœurs. Amen. Le succès est rentré dans vos cœurs. Amen. Maintenant, nous allons prier. Parce que nous sommes là pour la prière. Nous rendons grâce au Seigneur. Vous êtes venus et je vous vois comme les candidats de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est avec vous, son esprit est avec vous, vous ne pouvez pas échouer. Qu'est-ce que Jésus donne aux hommes pour réussir? Il dit qu'il donne l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de la crainte de Dieu. C'est ce qu'il faut à tout homme pour réussir partout et dans la volonté de Dieu. Amen. Et je vais vous dire, Jésus a déjà payé pour votre réussite. Amen. Jésus a déjà payé
pour votre succès au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je vais prier avec vous. Permettez-moi, parce que la bonne manière de prier, c'est de se mettre à genoux. Mais vous allez vous tenir debout. Vous avez compris? Oui. Voilà, vous allez rester. Vous pouvez vous asseoir. Moi, je vais me mettre à genoux parce que nous sommes venus pour crier à Dieu pour vous. Nous l'avons fait l'année passée et nous avons essayé de manifester. Comprenez que c'est Jésus-Christ seul qui a été crucifié à la croix pour tout le monde. Ou bien? Oui. C'est lui qui est mort pour tout le monde. Oui. Mes genoux aussi peuvent payer pour vous tous. Amen. Amen. Tu vas poser ta main sur ton cœur et tu fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis venu à toi. Je suis venu à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je reconnais. Je reconnais. Que Dieu t'a envoyé sur la terre. Que Dieu t'a envoyé sur la terre. Pour sauver tout le monde. Pour sauver tout le monde. Et dans le salut. Et dans le salut, il y a la réussite. Il y a la réussite. Il y a le succès. Il y a le succès. Tu as versé ton sang. Tu as versé ton sang. Pour me racheter. Pour me racheter. De l'échec. De l'échec. Pour me faire sortir. Pour me faire sortir. De la vallée de l'échec. De la vallée de l'échec. Pour me faire asseoir. Pour me faire asseoir. Sur la montagne de la réussite. Sur la montagne de la réussite. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Par ton sang versé à la croix. Par ton sang versé à la croix. Tu as nettoyé toute malédiction sur ma vie. Tu as nettoyé toute malédiction sur ma vie. Les paroles négatives sur ma vie. Les paroles négatives sur ma vie. Les incantations négatives sur ma vie. Les incantations négatives sur ma vie. Ton précieux sang. Tu m'as donné un cœur nouveau. Tu m'as donné un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Et aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Et les portes de ma vie. Et les portes de ma vie. Te recevoir. Te recevoir. Comme un Seigneur. Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Personnel. Personnel. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Et conduis-moi. Et conduis-moi. Donne-moi ton Esprit Saint. Donne-moi ton Esprit Saint. Pour m'aider à réussir. Pour m'aider à réussir. L'Esprit de sagesse. L'Esprit de sagesse. L'Esprit d'intelligence. L'Esprit d'intelligence. L'Esprit de connaissance. L'Esprit de connaissance. L'Esprit de force. L'Esprit de force. Ô Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus-Christ. Que ton Esprit me rappelle. Que ton Esprit me rappelle. Tout ce que les professeurs m'ont enseigné. Tout ce que les professeurs m'ont enseigné. Rappelle ce que j'ai appris, ce que j'ai écrit, ce que j'ai lu. Merci. Merci, parce que tu bénis ma mémoire, parce que tu ouvres mon intelligence pour réussir. Merci. Merci, parce que tu l'as fait, parce que tu as écrit mon nom des admis. Tu as effacé mon nom sur la liste de mes ennemis. Sur la liste de mes ennemis. Sur la liste de l'échec. Sur la liste de l'échec. Je te dis merci. Merci. Amen. Amen. Maintenant, vous ne priez pas. Posez simplement votre main sur votre cœur. Dieu des cieux et de la terre, c'est sous ton ciel ouvert que je me tiens. Tes enfants n'ont pas eu peur du soleil pour se tenir. Les autorités en charge dans cet établissement n'ont pas eu peur du soleil pour se tenir. Seigneur, nous avons crié miséricorde à toi. L'année passée, tu as glorifié ton nom. Cette année, tu vas faire plus. Amen. Seigneur, sur ce sol, bénis tous ceux qui sont en ces lieux. Bénis cet établissement. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous ne pouvons pas compter les graines de sable dans cet établissement. Seigneur, pour toi, pourtant, tu connais le nombre. Seigneur, je te demande, dans ton amour, tu es mort pour tous les hommes. Tu as payé le prix pour chaque candidat ici présent. Je réclame 100%. Amen. Seigneur, je réclame 100%. Amen. Seigneur, je réclame 100%. Amen. Pour le BPC, je réclame 100%. Amen. Pour le bac, je réclame 100%. Amen. Pour tous les examens qu'ils vont passer, je réclame 100%. Amen. Oh Seigneur,
Remplace leur faiblesse par ta force. Amen. Remplace leur ignorance par ta connaissance. Amen. Ô Seigneur, c'est toi-même qui es avec eux et tu seras avec eux. Amen. Merci parce que c'est toi qui composes à travers eux. Amen. Je te remercie pour leurs parents qui ont payé le prix pour les envoyer à l'école. Ils ont payé le prix chaque matin pour venir apprendre. Je te remercie pour les professeurs qui ont payé le prix pour les enseigner. Je te bénis pour le gouvernement qui a tout disposé pour qu'ils viennent à l'école et qui a tout disposé pour les examens. Maintenant, Seigneur, dispose les diplômes pour eux. Amen. Ils sont tes candidats et tu ne peux pas échouer. Seigneur, écris leur nom. Amen. Écris le nom de chacun. Amen. Sur le diplôme qu'il doit prendre. Amen. Je sais qu'il ne mérite pas, mais toi, tu as tout mérité. Tu mérites le bac, Seigneur Jésus. Tu mérites le BPC, Seigneur Jésus. Tu mérites l'entrée en sixième, Seigneur Jésus. Tu mérites tous les diplômes. Et donne-leur de façon gracieuse. Amen. Merci de le faire. Merci, Seigneur. À cause de ton amour, maintenant je prie. Et je réprime tout esprit de maladie. Toute maladie qui voudra les empêcher d'aller à l'examen. Ces maladies sont détruites par le sang. Tout esprit qui s'élèvera pour les empêcher d'aller réussir. Ces esprits sont liés et chassés au nom de Jésus-Christ. Tout trouble de mémoire est nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Tout oubli est nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Je réprime l'esprit de peur dans leur cœur. L'esprit de frayeur dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je réprime l'esprit de mort. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, que ta bonne main repose sur eux. Amen. Que ton onction les accompagne. Amen. Prends-les par la main. Amen. Et conduis-les en toutes choses. Amen. Aide-les dans l'écriture. Amen. Aide-les dans la lecture. Amen. Aide-les dans la récitation. Amen. Que personne n'oublie d'écrire son nom. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que personne n'oublie sa carte d'identité à Amen. La main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que personne ne se réveille en retard. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout esprit d'assoupissement est réprimé. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, quand je vais dire BPC, tu vas dire 100%. Quand je vais dire bac, ceux qui sont au bac, dites 100%. Amen. Amen. BPC 100%. BPC 100%. BPC 100%. BPC 100%. BPC 100%. BPC 100%. Au nom de Jésus-Christ, c'est Amen. Bac 100%. 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 C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Et avec mention d'excellence. Amen. Pour acclamer le Seigneur. Missionnaires qui sont venus pour prier pour le candidat. Je pense
parce que chaque année, il y a de cela depuis 2 ans, votre équipe vient ici prier pour le candidat à la veille des examens. Et nous pouvons vous dire que nous avons de très bonnes impressions parce que j'ai eu la chance dans 2 années de passer de voir les effets de prière sur le rendement de l'autre. Vraiment, pour commencer, je dois remercier le pasteur fondateur, le docteur Mamadou Kanambiri, qui est au Burkina actuellement. C'est un programme social. Quand j'étais arrivé il y a 2 ans, donc j'ai été informé que vous étiez là une année avant moi. Yes. J'ai dit, étant chrétien, étant un homme de foi, je n'ai pas hésité une seule minute à accompagner l'équipe. Et Dieu a manifesté sa gloire. Parce que quand les candidats ont été à l'examen, je ne croyais pas trop à une réussite aussi massive. Mais vous savez, le Seigneur, là où il est, il apporte toujours la lumière. Tout ce qui pouvait empêcher mes candidats l'année passée de réussir, Dieu a brisé toutes ces chaînes-là. Il l'a brisé. Il m'a maintenu moi-même en parfaite santé. Et les résultats, vraiment, je rends encore grâce à Dieu. Je n'ai pas d'autre moyen que de dire merci au Père Céleste. L'année dernière, nous avons eu un très bon rendement. Nous avons eu plus de 70% au baccalauréat. Au BPC, nous avons également une 60 et quelques pour cent également, ce qui a été l'un des records que nous avons battu dans la commune. Et donc, nous disons que cette prière que des missionnaires viennent faire sur nous apporte ses fruits. Que cette prière, ça apporte beaucoup pour nos enfants, ça les renforce spirituellement et nous pensons que cette année également, la prière que nous venons de recevoir, que nos candidats viennent de recevoir sur le collège, elle va porter davantage ses fruits. Et... Parce que vraiment, mes enfants, mes candidats sont admis massivement, massivement. Massivement. Et je sais que l'Éternel qui s'est manifesté. Parce qu'au départ, on n'y croyait pas. C'était une surprise, mais une surprise agréable. Et je mets ça certainement, et ça peut être ça, sur le compte du Seigneur, notre Rédempteur, Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a fait ce travail-là.